La journée mondiale des lépreux est célébrée ce dimanche. Dans ce journal, un gros plan sera fait sur Chrétien Cro, un village construit pour les lépreux à Dimbokro. Le forum Vestiaire en Côte d'Ivoire va se tenir à partir du 29 janvier jusqu'au 1er février à Abidjan. 2000 investisseurs nationaux et internationaux sont attendus. Le Premier ministre a visité le site ce dimanche après-midi. À l'étranger, en Centrafrique, ce pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de André Nzaïké, ancien vice-gouverneur de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. C'est la journée mondiale des lépreux, l'occasion de faire un gros plan sur Chrétien Cro, un village dédié aux malades de la lèpre, construit à Dimbokro par les religieux dans les années 70. Ce village existe encore aujourd'hui. À l'occasion de la journée internationale de la lèpre, nous vous proposons de découvrir les réalités de ce village dans un reportage de Serge Collia. Bienvenue à Chrétien Cro, village distant de 10 km sur piste de la ville de Dimbokro, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ici vivent depuis plus d'une vingtaine d'années des personnes atteintes de la lèpre. Parfois rejetées par la société, elles ont trouvé refuge à Chrétien Cro. Chrétien Cro, parce que ce village a été bâti par les frères maristes avec le soutien de prêtres et religieux italiens. Adam Ankone est le chef de ce village. Il a la lèpre, comme la plupart des habitants. Ça a commencé à attaquer ici. Il est sorti ici. Il est sorti mon pied. On a soigné jusqu'à il n'y a pas moyen. Depuis qu'il a cette maladie, le vieil homme se sait dès lors condamné. Je veux mourir avec ça. À ses côtés, sa femme, Akissi Clémentine, malade depuis 24 ans de la lèpre. Elle est aussi aveugle. Elle a perdu la vue il y a 10 ans. Samuel, lui, a ressenti les premiers symptômes de la maladie en 1987. La lèpre s'est ensuite installée définitivement dans sa vie. Il va alors subir l'hostilité de son entourage. Le jeune homme rejoint Chrétien Cro en 1992. Ici, il a trouvé sa voie. Formé à la cordonnerie, il confectionne les chaussures des malades. Cela grâce au soutien de l'Institut Raoul Folero et de la congrégation Sainte Anne des Sœurs de la Charité basée à Dimbokro. À Chrétien Cro, les malades sont pour la plupart des personnes du troisième âge. Déjà invalides du fait de leur âge, la maladie les rend davantage nécessiteux avec un besoin d'assistance permanente. On n'a rien ici, hein. On veut que les gens là, les gens des grands-grands là, qui ont envie, il y a préfet, il y a maire, il y a quoi là, il n'y a qu'à donner manger. Là, on est content. Avec le concours de l'Institut Raoul Folero et de la Congrégation des Sœurs de la Charité, les malades de Chrétien Cro ont un certain réconfort. Mais la situation de précarité dans laquelle ils vivent demande une plus grande assistance. Mieux, un soutien moral pour aider ces personnes à ne pas se sentir abandonnées. Les religieux ont certes permis à ces malades de vivre dans un environnement décent à Chrétien Cro. Mais sans soutien, sans réconfort de bonne volonté des populations, c'est sûr que Chrétien Cro ne sera qu'un petit village où des malades de la lèpre auront été abandonnés, mourant à petit feu. La 61e journée mondiale des lépreux a été célébrée à Boaké. Les autorités et les populations de Boaké ont manifesté leur solidarité et leur soutien à ces malades. Kader Sogodogo, RTI Boaké. 30 nouveaux cas de la lèpre ont été dépistés dans la région sanitaire de Boaké en 2013. Une amélioration au vu des 43 cas de 2012. La cérémonie commémorative de la 61e journée mondiale des lépreux, célébrée sur l'esplanade de la préfecture de région, a été l'occasion pour les responsables sanitaires de la région de Boaké de rappeler que la transmission de la maladie continue, d'où la nécessité de dépister à temps les malades en vue de leur prise en charge. Institué par Raoul Folero pour insister sur le fait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, la journée mondiale des lépreux a permis aux malades de Boaké de recevoir divers dons constitués de vivres et de non-vivres, à la grande joie de leur porte-parole. Chaque année, nous recevons des dons, nous les malades de la lèpre. Nous disons merci à toutes les autorités
Grand merci, car cela nous permet de nous prendre en charge. La lèpre, autrefois appelée maladie des pauvres, de la saleté et des ghettos, est aujourd'hui dépistée et traitée gratuitement grâce à une volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire. Cette maladie mutilante et invalidante se guérit. Et puis, sachez que la célébration officielle de cette journée a eu lieu à Mans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On s'intéresse maintenant à ICI 2014. Plus de 2000 investisseurs nationaux et étrangers sont attendus à partir du mercredi 29 janvier pour le forum Investir en Côte d'Ivoire. Quelles sont les offres d'investissement? Quels sont les secteurs porteurs? Qu'attendent les organisateurs? Avec ce forum, le directeur général du CPC, commissaire général, situe les enjeux. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Plus de 50 ans après, l'agriculture continue de porter le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des références en ont entre autres, premier producteur mondial de cacao, premier en Afrique pour le rendement à l'égrenage du coton, premier pour le rendement de l'EVA, deuxième producteur d'anaca derrière l'Inde, deuxième producteur africain d'huile de palme. Incidence, les filières agricoles sont les plus prometteuses. En pole position, l'anacarde, le coton, le riz, l'huile de palme et le caoutchouc. En plus de ses atouts naturels, la Côte d'Ivoire, 30 projets pour une valeur de plus de 1 000 milliards de francs CFA sont les offres d'investissement. Des projets qui prennent en compte l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle par exemple du complexe chemin de fer port du San Pedro, ça concerne tout l'ouest de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud-ouest. Lorsque nous parlons du port sec de Ferke, ça concerne la région nord. Ces projets, non seulement ils sont identifiés en termes d'apport dans l'économie, en termes d'apport dans la croissance, mais ils sont identifiés aussi en termes géographiques, de sorte à ce qu'on ait une répartition plus ou moins équitable, je veux dire, des investissements sur le territoire national. En un mot commençant, la Côte d'Ivoire sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et comment elle entend exploiter ses acquis pour le bien-être de tous. C'est pourquoi il est attendu de tous et de chacun une contribution de quelque nature qu'elle soit. Pour ceux qui sont dans le monde des affaires, qui viennent participer à ce forum pour vivre les réalités de l'investissement en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que l'Ivoirien de lambda se sente solidaire et hospitalier de nos frères et sœurs qui viennent visiter notre pays. Le taximan, l'individu lambda qui est dans la rue. Il faut que nous puissions montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, est une terre qui est prête à accepter donc des investisseurs qui arrivent. Troisième élément, c'est envers donc les entrepreneurs qui vont venir à ce forum. Le tout n'est pas de venir à ce forum, mais n'est pas se fixer pour objectif. Je viens pour pouvoir nouer un partenariat. Il faut que je vienne donc avec des projets. Et dernier point, le CPC reste à disposition de l'ensemble des investisseurs pour coordonner ces éléments et surtout permettre le suivi de l'après-forum. À 72 heures de l'événement, les organisateurs annoncent plus de 2500 participants avec pour cette fois une proportion de 50% de privés ivoiriens. 1280 militaires en exil, tous corps confondus, sont rentrés d'exil après trois années passées hors de la Côte d'Ivoire. Ils répondent ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense les a reçus et a tenu à les rassurer quant à leur sécurité. Le ministre Paul Kofi Kofi a invité les autres militaires en exil à rentrer au pays. Abou Sanogo fait le point. 1280 gendarmes, policiers, militaires et agents des eaux et forêts, membres des ex-forces de défense et de sécurité, ont regagné leur pays après trois années d'exil, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces ex-forces de défense et de sécurité ont été reçus par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, à la place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux. Leur porte-parole, le sergent Liliane Latte, a exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour l'occasion qu'il leur donne de retrouver leur famille, mais aussi pour leur réinsertion dans l'armée. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'opportunité qu'il nous donne de regagner notre pays afin de rejoindre nos différents corps et services. Nous profitons pour lancer un appel à tous nos frères d'armes qui hésite encore à rejoindre nos rangs. Paul Kofi Kofi a rassuré ses ex-forces de défense et de sécurité quant aux instructions du chef de l'État qui a demandé que leur retour soit sécurisé.
Je voudrais donc vous donner assurance du président de la République en ce qui concerne votre retour sécurisé et votre réintégration dans les différentes unités ou dans les différentes forces auxquelles vous appartenez. Mais cela prend un peu de temps. Donc je voudrais vous rassurer, aucune personne depuis son retour a été inquiétée par les forces de sécurité ou par une instance judiciaire. Pour le mois de janvier, déjà, ceux qui se sont présentés toucheront leur premier solde de leur retour. Parmi les 1280 ex-forces de défense et de sécurité, il y a 8 officiers, 115 éléments de l'armée de l'air, 154 de la marine nationale, 4 gendarmes, 110 policiers et 2 agents des eaux et forêts. C'est une première en Côte d'Ivoire. Une opération de capture et de translocation des éléphants a lieu dans la région de d'Aloa. Elle a débuté lundi dernier. Plusieurs pachydermes ont été capturés et convoyés dans le parc national d'Azani, situé dans le département de Grand Lao. Cette opération a pour objectif de préserver ces éléphants menacés de disparition à cause du braconnage, mais surtout soulager les populations de ces zones où ces éléphants ont détruit plusieurs cultures, tué 2 personnes et fait de nombreux blessés. Des opérations de ce type ont déjà eu lieu en Zambie et au Malawi. Herman Nyamia. Antoine Obikwa est une des victimes du troupeau d'éléphants qui a séjourné dans la périphérie du village de Gogogué, village situé à 2 km de Daloa. Dans cette localité, les éléphants ont causé d'énormes dégâts aux populations. Un an après leur passage, c'est le cœur meurtri que Antoine nous fait visiter sa plantation. Tout ce que j'avais eu comme plan ici, non seulement les éléphants marchaient dessus, la population même qui venait encore par curiosité pour y faire, je ne pouvais même plus. Malgré mes cris, les gens ont détruit pratiquement tout. Aujourd'hui, je suis en train de reprendre. Quand ils sont venus, bon, ils ont fait au moins 3 jours chez moi. Les 3 jours-là, ce qu'ils ont fait chez moi, j'ai pleuré. Tout ce qui est chez moi, là, ils ont tout détruit. Même mes bananiers, manioc, igname, ça là, ça on ne dit pas. Quand tu prends quelque chose là, tu ne peux même pas bien pousser. Puisque déjà, ils ont mis la bouche dedans. Ces paysans peuvent désormais avoir le sourire. Les éléphants ne menaceront plus leur culture, encore moins leur vie. L'opération de capture et de translocation de ces pachydèmes au parc national d'Azani, dans la localité de Grand Lao, est en cours. L'équipe de l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, est à pied d'œuvre pour la réussite de la mission. Les grands moyens ont été déployés. Une équipe terrestre aidée par des pisteurs et appuyée par un hélicoptère sillonne la forêt pour la capture des pachydèmes. En général, quand les éléphants détruisent les cultures, la décision qui est prise le plus souvent, c'est de les abattre. Or là, la République de Côte d'Ivoire a décidé de protéger réellement ces éléphants qui sont en plus l'emblème national du pays et de voir de quelle manière on pouvait résoudre ce problème de conflit entre humains et éléphants de façon éthique. Et donc, nous sommes venus faire une première mission d'évaluation en juillet 2012. Nous nous sommes rendus compte qu'il était possible de capturer ces éléphants. 6 éléphants ont été déjà capturés. On dénombre malheureusement 2 décès, dont un par noyade et un autre qui n'a pu supporter le tranquillisant. L'opération est prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. La convention de la société civile ivoirienne en prélude à son séminaire atelier sur la réconciliation et la cohésion sociale a organisé hier à Markoré à Numambo une cérémonie traditionnelle de bénédiction du dit séminaire. C'était en présence de la chefferie à Tchon et des représentants des partis politiques. Koné Pargasoro, Franck Wadio, reportage. Le climat de méfiance qui existe entre certaines communautés après la crise post-électorale inquiète la convention de la société civile ivoirienne. Elle décide alors d'organiser les mois à venir un séminaire atelier et le thème porte sur le chemin de la réconciliation et la cohésion sociale. Le souhait de tout Ivoirien, du plus petit au plus âgé, c'est la paix. Rien que la paix. Et rien ne vaut la paix si vous ne dialoguez pas. La convention de la société civile ivoirienne entend s'appuyer sur la chefferie, les propriétaires terriens et les partis politiques pour atteindre son objectif. Celui de réconcilier les Ivoiriens et ramener définitivement la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative est fort appréciée par les différents partis politiques à présent. Nous avons félicité la convention
de cette initiative, dans la mesure où il s'agit d'amener les chefs traditionnels, l'organisation de la société civile, à réfléchir sur les voies et moyens pour arriver à la réconciliation. Le président Félix Houphouët-Boigny disait toujours que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut que nous revenions à cela. Vous savez tous que sans la réconciliation, sans la paix, tous les gros investissements et les efforts du gouvernement resteront vains. Pour les représentants de la chefferie et pour tous les autres intervenants, la réconciliation est une affaire de tous. Ils invitent alors toute la population à se mettre au-dessus des considérations égoïstes. Il faut regarder l'autre comme un frère et non comme un ennemi. Occasion aussi pour les organisateurs de montrer le symbolisme de la libation qui, selon eux, pourrait être un élément catalyseur pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. En politique, les militants et sympathisants de l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire, sous la houlette de leur secrétaire général, se sont donné rendez-vous hier samedi au club municipal de Deux Plateaux pour une cérémonie de présentation de vœux à leur président, Niamey Nkono. Occasion pour le président de l'UPC de remobiliser ses troupes et de redémarrer les activités du parti. Chantal Akanda. Après plusieurs mois d'inactivité, l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire, relance ses activités avec de nouvelles stratégies. Le président du parti, Niamey Nkono, jette un regard dans le rétroviseur pour faire le point. Je voudrais vous rassurer, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Un travail dans l'ombre a été effectué. Nous avons approfondi nos réflexions sur la vision que nous avons de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, nous avons mobilisé tous nos efforts pour mieux implanter le parti à l'intérieur du pays. Présent à cette rencontre de nouvel an, les militants ont écouté leur premier responsable, le président Niamey Nkono, a annoncé les actions de 2014, entre autres l'instauration d'un prix Paix et Réconciliation à l'endroit des journalistes. Nous voulons encourager les journalistes de bonne volonté, ceux qui aiment leur pays. Nous voulons les encourager à faire des articles, à écrire des choses qui participent à la réconciliation entre les Ivoiriens et à la paix, à l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous allons décerner ce prix à l'organe de presse qui travaille de cette manière le 7 décembre 2014, aussi en hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Le premier responsable de l'UPCI exhorte ses militants à cultiver la démocratie, gage de développement et d'émergence durable. Une page consacrée à la culture maintenant. Il s'agit d'inculquer le goût de la lecture aux élèves et c'est l'objectif visé par les femmes chefs d'établissement de Côte d'Ivoire et ce depuis 3 ans. Elles initient une caravane dans les établissements scolaires. Le vendredi dernier, la caravane a déposé ses valises au lycée classique d'Abidjan. Reportage Grace Kando. Une bibliothèque qui n'existe que de nom. Les élèves du lycée classique d'Abidjan ne trouvent plus d'intérêt à fréquenter leur bibliothèque. L'état des délabrements avancés et l'insuffisance de livres en sont les raisons. Le gros problème, le problème de l'étanchéité. Il faut revoir cette étanchéité au coût de plusieurs dizaines de millions. C'est pourquoi les entreprises, tous ceux que j'ai pu aborder, quand ils viennent voir effectivement le coût des réalisations à faire, il se décourage quelque peu. Je suis arrivé ici au lycée classique à partir de la classe de seconde. Et vraiment, je suis en terminale A1. Et pour nos recherches, c'est vraiment difficile de trouver des livres. Parce que étant en terminale A1, il faut beaucoup avoir la culture du livre. Des préoccupations qui seront prises en compte selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Nous, en tant qu'anciens professeurs, nous devons fédérer nos efforts pour apporter notre appui à l'école afin que sa bibliothèque soit restaurée, afin que nos enfants puissent avoir accès aux livres. Ayant perçu le bien fondé du livre, une caravane est initiée par les femmes chefs d'établissement pour inculquer le goût de la lecture aux élèves. Cette caravane répond à un souci pour nous, femmes chefs d'établissement, d'œuvrer
pour améliorer les résultats scolaires de nos enfants. Alors c'est dans ce souci-là que nous avons décidé de réhabiliter, d'équiper, d'animer les bibliothèques dans les établissements de Côte d'Ivoire. Cette caravane du livre a pour slogan « Un établissement scolaire, une bibliothèque ». L'initiative est saluée par l'ensemble des acteurs du système éducatif. 26 bibliothèques scolaires ont été installées à Abidjan et à l'intérieur du pays. La troupe Wanseyo est spécialisée dans la promotion des danses du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire et fait partie de la sélection officielle du Massa 2014. Le Massa, c'est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Avant cet événement culturel important, Wanseyo a effectué sa rentrée culturelle à Bobo Anonkwa 3 dans le district d'Abidjan. Rythme et danse du terroir étaient à l'honneur. Suivez le reportage de Serge Colléa. La troupe traditionnelle Wanseyo, au cœur de la culture à Dan et Toura. Ce dimanche 19 janvier, l'instant d'une rentrée culturelle, les acteurs du groupe Wanseyo ont replongé les populations d'Anonkwa 3 à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des Ignames dans la région de Biankouma. Le Wanseyo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des Ignames en pays d'An et Toura tout son caractère festif. Pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village, la troupe Wanseyo, à travers ce spectacle, entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont œuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biankouma par Émile Gougbe, un ancien danseur de masque reconverti dans l'administration ivoirienne. Wanseyo fait partie de la sélection officielle du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Le groupe Wanseyo qui regorge des jeunes talents de la région de Boné, mais du département de Biankouma. Nous voulons montrer la culture d'An et Toura dans sa plénitude. Le grand masque, le Gégonkoui, est le troisième tableau présenté par la troupe Wanseyo. Le Gégonkoui, le masque protecteur, celui qui fait les bénédictions, celui qui est un des symboles de la culture d'An et Toura, n'a pas failli à sa réputation de danseur, garant de la tradition. Wanseyo promet tout simplement pour le Massa 2014 rythme, authenticité et charme du terroir. Dimanche, également jour de prière, la communauté catholique Mère du Divin Amour a célébré son jubilé d'argent à la maison mère située à la Riviera Palmeraie. Cette célébration a été présidée par Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou. Il a exhorté les fidèles à une foi solide. Grâce Kando, témoignage. En 1989, la conversion de quelques jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan a donné lieu à la création de la communauté catholique Mère du Divin Amour. 25 ans après, les responsables marquent un arrêt pour célébrer le jubilé d'argent. En thème d'évangélisation et de conversion des âmes, beaucoup a été fait. Par les évangélisations, nous avons permis à des familles de se réconcilier. On a vu cela comme fruit. On a vu aussi beaucoup de gens quitter une vie de péché pour venir à une vie de lumière. Grâce aux œuvres communautaires, beaucoup de gens aujourd'hui ont retrouvé le sourire. Plusieurs actions menées, mais des défis restent à relever, selon le modérateur général de la communauté Mère du Divin Amour. Pour nous, les 25 ans marquent un départ en matière de développement. Alors nous allons travailler en sorte que la communauté se répande davantage à travers le monde. Nous allons travailler de sorte que nous ayons un personnel encore plus nombreux pour la mission. Nous allons travailler en sorte que des infrastructures communautaires soient mises en place, que nous puissions être autonomes sur le plan matériel et financier pour faire l'œuvre, je dirais, plus facilement. Ce jubilé d'argent a été présidé par Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou. Il a exhorté les fidèles à une foi solide. Quand l'amour de Dieu visite nos misères humaines, elle devient des signes d'espérance pour ceux que nous rencontrons. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous ne doit être désespéré. Il ne s'agit pas de morale, non. C'est la miséricorde de Dieu qui est ouverte à tous et qui est sans soir. Pourvu que nous nous tournions vers Dieu,
et lui, il fait le reste. La communauté mère du Divin Amour a en son sein un institut mixte. En dehors de la Côte d'Ivoire, elle est implantée dans des pays d'Afrique et d'Europe. Les chrétiens d'Eima ont organisé leur pèlerinage annuel dans le village de Vagoué, dans le département de Lakota. Plus de 10 000 pèlerins venus des États-Unis, d'Amérique, de Suisse, de France, du Nigeria, du Burkina, ont pris part à ce pèlerinage. Honorine Anigori. Réconciliation, pardon, amour du prochain est le thème qui a soutenu les festivités marquant le pèlerinage des fidèles chrétiens d'Eima durant 6 jours au village Gagoué dans le département de Lakota. Cette religion qui s'est beaucoup investie dans le processus de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire a vu ses efforts récompensés par le déplacement du directeur général par intérim des cultes à son siège et le don de 15 millions de francs CFA pour l'appuyer dans ses actions. La prophétesse a prôné l'entente, l'amitié entre les peuples, la fraternité. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase importante, très importante aux yeux du président de la République, c'est la réconciliation. Et donc, venir à un pèlerinage ensemble, c'est la preuve que ce message du président de la République a été perçu par l'église d'Eima. En son nom, je voudrais vous remercier. Le chef suprême de la religion d'Eima, Nyanagbe Dakouri, a saisi l'occasion de ce pèlerinage annuel pour inviter les pèlerins à être des artisans de paix. La milière, moi, connais. Arriver chez eux, que chacun cultive la paix, car la paix est gage de développement. Prières, louanges, messes, visite des lieux saints et pose de la première pierre du préau ont constitué les temps forts de ce pèlerinage. La religion d'Eima a été révélée en 1940 à feu la prophétesse Onoyo Bagué par le Christ Jésus selon les fidèles. À l'étranger, en Centrafrique, la présidente Catherine Samba Panza a désigné hier la deuxième tête de l'exécutif de transition. Il s'agit de André Nzapayeke qui occupe maintenant le poste de Premier ministre. En Égypte, des affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi ont fait 49 morts et une bombe artisanale a explosé en Antananarivo, la capitale économique et politique de Madagascar, le soir même de l'investiture du nouveau président de la République. Bilan 1 mort et près de 40 blessés. C'est ici, à 200 mètres du stade municipal où se terminait la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache, que vers 19h samedi, une grenade a été lancée sur la foule. L'attentat a tué un bébé de 2 mois et fait 45 blessés soignés à l'hôpital. La police a ouvert une enquête. Aucune organisation n'a revendiqué cette action. André Nzapayeke, 62 ans, était depuis novembre 2012 vice-président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Il a été nommé Premier ministre de Centrafrique et doit désormais former un nouveau gouvernement. Peu connu du grand public, ce technocrate a beaucoup œuvré dans le développement. Sa priorité aujourd'hui, ramener la sécurité dans le pays. Je peux vous dire qu'il y aura harmonie à la tête de l'État centrafricain à partir de maintenant, parce que nous n'avons qu'un seul objectif, tout le monde, quel que soit le bord où les gens se trouvent. Nous n'avons qu'un seul objectif, sortir notre pays de l'ornière. Première mission, rencontrer les groupes armés, ex-rebelles et nouvelles milices et ce qu'il reste de l'armée nationale pour tenter d'apaiser les tensions depuis décembre, date du début de l'intervention militaire française aux côtés des forces africaines. Les violences ont fait plus de 2 000 morts et 1 million de déplacés.